Bonjour tout le monde, je dis à nous pour faire un unboxing vidéo. On fait acheter un MIDI controller, un Native Instrument Complete Control A49. Nous allons ouvrir la boîte ensemble et nous allons regarder ce qui est dedans et nous allons essayer l'ensemble tout sur l'ordinateur en tablette. Donc, on allait. Mais à qui ça va l'assembler? C'est Complete Control A49, Smart Keyboard Controller. Voilà, il y a un pile de la donne, il y a un MIDI contrôleur à la donne, il y a un câble USB, un câble MIDI avec USB, et puis il y a une instruction. C'est tout. C'est vraiment bien simple. Vraiment, vraiment, vraiment simple. Waouh! Mais à qui ça ressemble? Le retirer sa chair. Il dit, lire les contrôles à 49. 49 pour qui ça? Parce qu'il y a 49 touches. Souli, je compte tout ça. Donc, il y a A25, 25, je veux dire 25 touches. Il y a A61. C'est autant de. Habituellement, chiffre ouéa, c'est le nombre de touches là. Parce que il y a 25 touches, il y a 61 touches. En fait, il y a 25, il y a 49, j'en dis. Il y a 61 et puis il y a 88. 88 là, vraiment gros. Mais pour faire une activité là, entre 25 et 49 touches, ça est supposé bon pour. En fait, ça dépend de qui go cette touche, parce que ça c'est touche normale, ça c'est touche régulière. Si en majorité 25 yo, c'est une touche. C'est touche miniature, il y a un coup. MPK mini ça. Ouais, j'en touche minime. Il y a des longueurs de main. Et puis là, il y a des. Ça c'est touche qui mini, c'est parce que vous devez mettre ça dans la valise, c'est très portatif. Mais ça, c'est pour rester la caillou. Vous pouvez mettre long four et pour aller dans le studio avec, parce que c'est facile à transporter. Il n'est pas si lourd que ça. Mais il n'est pas rentré dans un sac de coups, MPK mini. Hein. Donc, chaque bail, il y a un avantage. Ça fait l'important pour qu'on ait. Pour qu'ils soient besoin et qui côté à utiliser le tout. Parce que si vous avez besoin d'espace pour les tout. L'important pour qu'un papier qui vient avec lui, instruction, parce qu'habituellement, c'est lui-même qui gagne. Numéro c'est rien et puis il y a un code pour qu'à activer un plugin yoba ou avec parce que Native Instrument by plusieurs bagay avec donc au besoin quatre ça parce que ouais un numéro série par là là qui écrit yoba ou yoba ou sticker pour mettre pour qu'à enregistrer appareil et puis jeune plugin yo que yoba ou yo. Puis après ça, c'est instruction, importance, puis du paquet. Pas mettre le lundi fait, passer ici, passer là, pas ouvert. C'est ce genre de bail, ça. Qui gagne un papier, ça fait l'important pour qu'un bill. C'est très important. Câble USB A, son câble USB normal. USB, un USB A avec un MIDI universel. C'est ça. Nous allons brancher l'ordinateur pour nous. En fait, comme première impression, ça me dit non, c'est que touche yo vraiment, vraiment solide. Parce que nous avons un Yamaha MOXF, tout ça yo y a un rebond par rapport à Yamaha. Donc, vous avez besoin de force pour jouer yo. Et soit pratiquer sur yo, ou pratiquer sur un piano normal, ou pas avoir de difficulté parce que touche yo yo vraiment répond. Yo vraiment répond. Et puis, vous avez 8 knobs. Vous avez 8 knobs. Selon l'instrument, selon le logiciel, le bouton ça a fait des travails différents. Play, stop, recall. Donc, tout ça, là, ça permet de contrôler le logiciel. Nous n'avons pas le brancher le talent pour nous. Ça, tout le bouton ça a fait. Et puis il y a un petit écran là à côté, non, il est supposé paraître. Waouh!
Marathon, on a le branché. Complete Control à 49 là, il est vraiment intéressant. Comme première impression, il est vraiment, vraiment bien. Touche yo, wow. Il est vraiment bien répondre. Il répond avec logiciel, il voyait avec là. En fait, il vient avec un pile plugin, ils ont qu'à réaliser. Donc, pour Priya, en fait, majorité dans plugin, ça y a, sous prendre tout plugin, ça y a, il y a un pichet que Priya. Que prix contrôleur. Donc, ou acheter contrôleur et puis ou gain pile plugin ça en prime. Il est vraiment bon et Nzo m'a prend plus de temps pour me découvrir et puis m'a fait l'autre vidéo pour montrer nous qui j'en li marché dans Logic, dans Reason, dans l'autre logiciel. Yo. Mais pour jodi a, comme première impression, il est vraiment bien. Donc, il gain 49 touches, j'en tape dia et il est solide, gardez-le solide. Pour l'instant, oui.